Chers collègues, zoophiles contemporains, cher public nécrophile, mais qui se tient bien, bonjour! Alors depuis hier, c'est l'événement musical de la rentrée, Matt Pokora et Robin des Bois. Alors Robin des Bois, vous connaissez, Robin est dans la forêt avec ses camarades et leur boulot c'est faire des misères aux puissants pour donner aux pauvres. Pour attirer le chaland, il y a un clip qui circule, je l'ai regardé jusqu'à épuisement, c'est-à-dire deux fois. Eh ben, je peux vous dire que la version lutte des classes avec Matt Pokora et ses amis, c'est très festif comme ambiance. Hein, comme le veut la tradition, Matt, Robin et ses compagnons d'armes sont vêtus d'un collant très ajusté. Mais quand je dis très ajusté, vous n'avez pas idée à quel point on a fait des progrès dans le domaine de la matière moulante. Quand les gars sont de face, même au travers du collant, tu peux dire qu'ils portent un slip ou pas. Qui se rase le pubis ou pas. Qui est circoncis ou pas. Alors, tous ces beaux garçons sont là à chanter dans la forêt, c'est magnifique. On dirait un mix entre la Gay Pride et une pub Fleury Michon. Moi, ça me fout un peu les chocottes, ce genre de spectacle. J'ai l'impression d'être en immersion dans un Walt Disney. À tout moment, j'avais peur qu'arrive sur scène Mimi Mati déguisée en fée cloche. Et tant qu'à faire dans le n'importe quoi, pour que le tableau soit complet, il faudrait que Shrek débarque dans la forêt pour le rôle du monstre vert, Régine, rôle Abdoul. Allez, passons à autre chose, ça me déprime. Cher Samuel Le Bihan, quelle joie de vous recevoir. Vous, le beau gosse qui n'en faites jamais trop. Vous, le playboy. Non, pas maintenant, Je suis désolé, Samuel, mais ce petit indicatif exotique me signale que je dois interrompre ma chronique pour expliquer ce qui se passe dans l'émission à notre quota immigré déficient intellectuel, la douce Sonny Chan. Sonny, oui, c'est la chose à ma gauche qui vous regarde depuis une heure en souriant comme un poisson rouge qui aurait fumé un gros joint. Désolé, Samuel. Maître Daniel. Oui, Sonny. Maître Daniel, c'est qui l'invité? Bon, enfin, Sonny, c'est Samuel Le Bihan. Un de nos meilleurs comédiens vivants. Ah bon? Ça m'étonne. Il a un regard de Romain qui veut voler mon téléphone. Je suis sûr qu'il est pauvre, père caca. Sonny. La naïveté naturelle, à mi-chemin entre la débilité et la trépanation, fait ma joie à chaque fois. Sonny, tu es aussi élégante que la mèche d'Adolf Hitler, tu es aussi efficace qu'un char Panzer, mais tu es aussi conne qu'une culotte de peau tyrolienne. Samuel Le Bihan n'est pas pauvre, c'est un acteur, producteur, prolifique. Il est riche à millions. Quoi? Riche à millions? Mais oui! Oh, qu'est-ce qu'il est séduisant d'un seul coup. J'ai envie qu'il m'attache au radiateur et qu'il me fouette avec une saucisse de Francfort en chantant Lily Marlène. Je ne sais pas, Sonny. L'idée de vous voir nu pour la détente, en plus de la Deuxième Guerre mondiale pour le boulot, ça fait trop d'horreur à la fois. Bon week-end. Daniel Morin.